Voilà, ça a toujours été un plaisir de vous retrouver pour les comptes de votre magazine Entretien. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous allons devoir parler autour de quatre sujets. Premièrement, nous allons parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, controversée autour des émoluments des députés nationaux, position de Jean-Marc Kabound. Bien sûr, il sera devant le juge le 5 septembre, c'est-à-dire déjà ce lundi. Et puis, nous allons parler également de phénomène de la reprise de phénomène Kuluna à Kinshasa avec notre invité, Maître Armand Lokeka. Il est coordonnateur du courant pour les saluts du peuple. Bonjour, Maître, bienvenue. Merci, bonjour madame. Votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci de m'avoir appelé, de m'avoir invité dans votre émission. Je vous salue aussi. Voilà, alors Maître, nous allons commencer avec la situation sécuritaire dans l'Est. Aujourd'hui, on ne peut plus encore parler de l'état de siège, mais Bounagana, oui. Ça fait plus de 45 jours, donc bientôt c'est déjà 2 mois que Bounagana est toujours sous contrôle de 1-23. Et quelle est votre lecture par rapport à cette prise de 1-23? Bon, nous ne prétendons presque pas à détenir toute la réalité de la situation de l'Est, mais nous sommes en train d'analyser et de comprendre qu'à un moment donné de la vie, il faudrait que l'autorité suprême comprenne qu'il n'y a plus de raison d'être de cet état de siège. Bon, ça, c'est le premier élément. Je le dis que l'état de siège détient quelques restrictions de certains droits, où le peuple ne sera pas exercé librement quand il se trouve soumis à ce genre de régime. Parce que nous avons pensé qu'en y mettant un gouverneur militaire, les choses peuvent prendre une autre allure, ou en décrétant ou en ordonnant un état de siège dans ces provinces-là, ces 2 provinces. Pour l'instant, nous pensons, quant à nous, qu'il est déjà opportun et utile que le chef de l'État puisse lever cette mesure d'état de siège pour donner la liberté à tout citoyen qui se trouve dans ces entités attaquées, de revendiquer leurs droits violés et restreints. Hein, plutôt le droit de marcher, de revendiquer, et le droit de réclamation publique. Ils doivent les exercer valablement. La situation de l'Est laisse vraiment perplexe la vie et la cohésion de la nation, pour qu'autant que Bounagana, aujourd'hui, plus de 3 mois. 3 mois, probablement, entre les mains de l'M23, qui a déjà installé même son administration, qui perçoit de taxes, qui perçoit déjà, qui touche déjà des redevances et des impôts, et toute une administration. C'est un petit État créé par cette rébellion que nous pensons négliger, et que nous pensons faire taire, en train de chercher une diplomatie au moment où il est utile que le rapport de force soit martial, si c'est par l'arme qu'ils ont pu récupérer Bounagana. L'armée congolaise n'est pas si faible de récupérer Bounagana, mais l'armée n'a jamais tenté d'attaquer. Et qui détient cette armée? Qui retient l'armée à attaquer Bounagana? Ça fait 3 mois que l'armée n'attaque même pas Bounagana. À quel motif, pourquoi, quelles sont les raisons, personne ne le connaît. Il est le commandant suprême. Vous comprenez? Ce sont des raisons où un président de la République doit dire à son peuple ce qui est vrai, la situation dans laquelle nous nous traversons. Parce que la diplomatie, en fait, ne résout pas à 100% la situation. Au moment où il y a des intérêts de part et d'autre, il y a des concessions que le Rwanda, qui donne l'espace et qui soutient l'M23, s'attend à tirer profit de Bounagana. Est-ce que nous allons nous attendre au moment où ils ont déjà une partie de terre du Congo? Moi, je pense l'unique mission, c'est de récupérer Bounagana par la force d'armement, chercher à faire des alliances, comme nous avons entendu, avec même si le président pense que son armée n'est pas capable de reprendre Bounagana, faire des alliances avec d'autres pays qui peuvent lui amener un soutien. Parce que là, nous ne comprenons pas pourquoi l'armée congolaise n'attaque pas pour récupérer Bounagana.
L'armée congolaise n'attaque pas. Alors, il est le commandant suprême, il doit en dire un mot. Il doit en dire un mot. Puisque la prise de Bunagana affecte toute autre situation de la RDC. Si l'on va prétendre aujourd'hui que non, il y aura élection. Mais attends, comment vous allez prétendre qu'il y aura élection? Nous n'avons que 392 jours qui nous séparent des élections. Et vous allez prétendre qu'il y a élection tandis qu'il y a une occupation étrangère. Et malgré qu'on nous a parlé du déploiement d'une force régionale, mais jusqu'à présent, le 1-23 est toujours présent. Cette force régionale sera composée de quel pays? Parce que nous avons entendu, on cite Ouganda à l'intérieur. Or, c'est l'Ouganda qui a servi l'entrée de M23 pour récupérer Bunagana. C'est l'Ouganda qui a refusé que notre armée utilise le leur de notre frontière avec eux comme... Le frontière par lequel devrait avoir la force d'interposition. Non. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on nous voile les yeux. La force que l'on est en train de vouloir tromper au peuple congolais, qu'il y aura une force régionale qui viendra pour récupérer Bunagana, c'est déjà une insulte de base. Pour autant que l'armée congolaise est incapable de récupérer Bunagana, et Bunagana, qui n'est qu'un territoire, ne peut être récupéré que par une force régionale, non, c'est faux. Avant qu'on y arrive à une proposition d'une force régionale, il faudrait qu'on nous dise quelles sont les faiblesses qu'accuse notre armée pour ne pas récupérer Bunagana. L'armée est là, la MONUSCO également est là. Et le mois passé, vous avez suivi avec nous comment le jeune de ce coin s'était révolté. Ils étaient sur les rues de Bukavu et Goma, tout ça. Mais jusqu'à présent, la MONUSCO demeure bien présente. Le président de la République l'a si bien signifié que d'ici 2024, bien sûr, la MONUSCO va devoir quitter la République démocratique du Congo. Mais il y a d'autres personnes qui disent que, bien sûr, même si la MONUSCO vidait cette partie, il n'y aurait toujours pas de paix. Non, ce n'est pas le problème si elle quittait. Mais la MONUSCO doit d'abord quitter. Parce que le problème qui est là, c'est un problème d'appui. J'ai démontré autrefois que quelles sont les raisons qui ont maintenu le Congo dans l'embargo. Les raisons fondamentales qui ont retenu le Congo dans l'embargo. Pour que le Congo ne puisse ni acheter, ni signer un contrat de coopération martiale avec d'autres pays. Pourquoi? C'est la présence de la MONUSCO. Parce que la politique de la MONUSCO est définie dans la charte de colonialistes, dans la charte d'impérialistes. Qu'est-ce qu'on dit? Que l'ONU est utilisée pour maintenir les États faibles dans leur position, afin que nous puissions nous servir d'eux pour l'exploitation irrégulière de leurs minéraux. C'est écrit dans la charte. Et on est en train de maintenir le Congo dans cette position de faiblesse, en nous faisant croire que la MONUSCO ou l'ONU peut apporter quelque chose. On nous fait croire. Or, la MONUSCO et l'ONU, dans notre pays, n'apportent rien. C'est nous maintenir dans cette considération. Quand vous y allez pour demander que nous voulons acheter des armes, levez votre embargo, on vous dit non, on maintient. Vous maintenez l'armée contre un pays qui est agressé. Après, c'est l'ONU qui accepte l'agression, que oui, c'est une agression. Vous acceptez mettre un pays qui est agressé dans l'embargo. Non, c'est la présence de la MONUSCO. C'est la présence. Alors, la MONUSCO vient avec deux armes. Il nous donne aux agresseurs le soutien de nous agresser pour qu'ils maintiennent toujours. Non, nous devons être là pour maintenir la sécurité. Quelle est la sécurité réellement qu'il y a dans le concept de l'existence de la MONUSCO? Mais maître Armand, nous le savons tous, il y a un moment où l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito avait proposé la guerre contre le Rwanda, chose qui n'était pas bien accueillie au sein de la classe politique. Aujourd'hui, le régime du président Félix Tshisekedi pense qu'il faut passer par la diplomatie. Non, le problème, c'est que nous ne sommes pas dans un pays où on n'aime pas ce pays de la même façon. Parce qu'aujourd'hui, si M. Adolphe Mouzito donne une idée géniale, bonne et meilleure qu'elle soit, le pouvoir ne va pas accepter. Si le pouvoir accepte. Vu qu'il est de l'opposition. Si le pouvoir accepte, le pouvoir. Non, Omoni, c'est Adimi. Donc, c'est nous qui lui donnons des idées. Non. Non. Dans des pays normaux, dans des pays des hommes avertis,
L'opposition, c'est la police du pouvoir. Et la police, c'est quoi? C'est le service satellitaire. C'est le surveillant du pouvoir. C'est l'éclaireur du pouvoir. Là où le pouvoir n'a pas encore vu, l'opposition peut dire au pouvoir que non, voilà ce qui va arriver demain. Le pouvoir ne peut pas tout rejeter. Le pouvoir fait entrer la pensée dans le laboratoire pour dire voilà les inconvénients qu'il y a dans cette pensée, voici les avantages qu'il y a dans cette pensée. Si aujourd'hui nous faisons la guerre au Rwanda, le Rwanda n'aura pas à se diviser à deux pour soutenir la rébellion et faire sa propre guerre. C'est une façon de distraire l'ennemi. Mm-hmm. Vous comprenez? Alors, il y a les avantages dans la pensée de l'ancien Premier ministre. Et il y a des inconvénients. Les inconvénients, c'est dans l'orgueil du pouvoir. Parce que le pouvoir a un certain orgueil. Qui ne veut pas tout accepter, qui ne veut pas accepter même les idées des plus démunis. Non. Les plus démunis peuvent avoir une idée de tout ça. Parce qu'il peut avoir un serpent, il peut voir un serpent avant vous et vous dire non, déplace-toi. Je dis non, je ne quitte pas parce que c'est un démuni. Et après, ça t'atteint. Hein. Donc, je pense que dans la question de la gestion de l'État, la question de l'amour que nous devons avoir envers notre pays, la question du chauvinisme étatique et de l'attachement que nous devons tous avoir pour ce peuple, nous ne pouvons pas diverger dans les pensées. Okay. Le Rwanda nous attaque, oui. Qu'est-ce qu'il faut-il faire avec le Rwanda? N'avons-nous pas eu une armée? On retient. Si on n'a pas eu une armée, nous nous mettons maintenant à chercher une armée. C'est-à-dire que c'est le moment de se mettre autour d'une table. Résoudre la question prioritaire de la sécurité et de la vie d'un peuple. Au lieu de discuter sur les superflus, au lieu de discuter sur les infractions, discuter sur les choses qui n'ont rien à faire, que devons-nous faire pour avoir la paix en RDC? Que devons-nous faire pour que le peuple soit dans la sécurité? Que devons-nous faire pour que la gouvernance s'installe correctement? Et les grandes questions peuvent être disputées dans des grands salons politiques et on trouve des issues. Mais pourquoi l'opposition et la majorité n'arrivent toujours pas à se mettre ensemble? Parce que lorsqu'on parle de la sécurité, ça touche tout le monde. Ça touche toute la République. Vous n'attendrez jamais aujourd'hui une question de sécurité aux États-Unis mettre en divergence les démocrates et les républicains. Vous n'attendrez jamais. La question de sécurité, chaque Américain enlève sa veste de partis politiques et parle des États-Unis. La question de sécurité n'est pas question de l'opposition de majorité, mais plutôt les initiatives peuvent provenir du pouvoir. Nous créons un salon spécialisé, occulte. Nous prenons chaque couche pour discuter de la sécurité de la RDC. Que devons-nous faire? Il y a la question des infiltrés. Il y a la question d'identité. Il y a la question majeure de l'exploitation irrégulière. Il y a la question majeure de l'autorité traditionnelle à l'Est. Comment devons-nous traiter ces questions-là? Ce sont ces questions qui entrent dans la ligne de compte pour l'insécurité. Et vous discutez dans un salon politique, il y a des gens qui sont intelligents, mais comme ils ne sont jamais nommés ministres, comment on va tenir compte de leurs propos? Et surtout si on n'est pas comme de la majorité. Au pouvoir. Comment, mm-hmm. Comme ils ne sont pas de l'Union sacrée. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, par exemple, les gens, nous, qui voulons être de l'Union sacrée, même ceux qui ont été hier avec M. Kabila, aujourd'hui, ce sont les porte-parole de l'Union sacrée. Aujourd'hui, ce sont eux les géniteurs de l'Union sacrée. Aujourd'hui, ce sont eux qui signent dans l'Union sacrée. Alors, quelle idée vont-ils donner à président Félix Tshisekedi aujourd'hui qui n'ont pas pu donner à Kabila hier? C'est ça. Vous comprenez? Alors, il y a des personnes habilitées qui peuvent servir l'État dans la loyauté. Mais puisqu'ils ne sont pas censés être à côté du pouvoir, ils ne sont pas approchés ou ils ne sont pas utiles au regard du pouvoir parce qu'ils ne sont pas encore, ils parlent souvent quoi, ils ne sont pas militants dans leurs différents partis politiques, ces gens ne sont pas importants. Non. Dans des pays normaux, on tient compte de toutes les couches, même de petites associations de quartier. Mm-hmm. Pour tirer l'expertise importante et mettre toutes ces intelligences-là autour d'une table, discuter sur les points essentiels du pays. Chacun laisse son parti à la porte. Et à la sortie, vous récupérez votre parti. Mais le débat sur le Congo doit être un débat neutre, un débat limpide, un débat qui est en dehors de toute considération partisane. Voilà, alors maître, prend directement le deuxième sujet. Il y a deux rumeurs parce que... Je voulais conclure par ça. Oui, oui. La question de l'Est, le gouvernement ici actuel,
S'il voudrait réellement qu'on en discute sur la diplomatie, le gouvernement doit créer un salon de débat. D'accord. Doit créer une conférence de débat, d'échange sur l'Est. Parce que moi, j'avais pensé que ne fût-ce qu'en nommant le ministre, le président nommerait un ministre chargé de conflits avec l'extérieur. Puisque le ministre des Affaires étrangères a certaines limites dans l'ordonnance. Mais les conflits internes et externes sont des conflits tantôt. On nous accuse, ce sont les Congolais eux-mêmes. Alors, il faut identifier le vrai problème à l'interne et à l'externe, endogène et exogène. Il faudrait qu'il y ait un salon de discussion sur la situation sécuritaire du pays. C'est très important. Pas les oumoges qu'on a fait à l'Est. Mm-hmm. Parce que ceux-ci considéraient un certain système clanique où on devrait prendre le swahilifone entre eux pour discuter de ce qui les concerne. Non. Tous ceux qui sont à l'Est ne sont pas de swahilifone. Voilà, alors Maître Armand, le deuxième sujet, parce que c'est un sujet qui fait couler encre et salive au sein de la classe politique et société civile. Aujourd'hui, selon un communiqué signé par l'opposant congolais, Martin Fayulu, un député serait entre guillemets en possession de 21 000 dollars chaque mois. Votre point de vue? Oui, madame, ce sont des questions que nous demandons toujours. Opposition, majorité, de se mettre ensemble. Opposition, pouvoir, de se mettre ensemble. Analyser, puisque l'opposant, il a la mission de dénoncer. Il a la mission d'éclairer. Il a la mission de dire ce qu'il pense, bon par rapport à lui. Puisque c'est à partir de là que le pouvoir se regarde. Est-ce que je suis bien habillé? Puisque celui qui est en face de moi me dira que tu n'es pas bien habillé. Donc, ça veut dire que en évitant de sortir sale de sa propre maison, puisqu'il sait que derrière, à l'extérieur, il y a l'opposition, le pouvoir sait comment il faut qu'il se prépare en conséquence. Voilà le rôle de l'opposition. L'opposition, c'est comme si quelqu'un qui voudrait, je sors de ma maison, je dois d'abord me regarder, me mirer, pour voir est-ce que dehors, ceux qui vont me voir. Or, dehors, là, c'est l'opposition. Si aujourd'hui, Martin Fayulu dénonce qu'il y a un problème, même si on ne veut pas qu'on utilise le mot de la délinquance financière. Ce mot a été déjà bien rejeté depuis longtemps. Dans le Parlement, qui devrait être au moins le temple de la démocratie et de la liberté d'expression, mais nous l'avons vu, le président de l'Assemblée nationale refuser certains termes français être utilisés au Parlement. C'est regrettable dans ce pays. Même si l'on nous le voit, 21 000 dollars par individu, soit 500. S'il vous plaît, soyons sérieux. Et j'ai vu des gens réagir que non, qu'est-ce que tu attendais pour le dire? Mais vous savez, l'opposant, il a toute une liste de dénonciations dont il cherche les opportunités à les dénoncer. Si hier, je n'avais pas trouvé opportun les dénoncer, aujourd'hui, je trouve que c'est opportun. Vous allez m'interdire. C'est à vous le pouvoir de nous dire le contraire. Mais personne du pouvoir n'a dit le contraire à Fayulu. Au contraire, Deli Sessang a confirmé cela. Vous imaginez? Deli Sessang a oui, un député touche 21 000 dollars. Vous imaginez? Deli Sessang a député, il y perçoit ces 21 000. Il y perçoit. On va aussi lui poser la question, mais Deli, qu'est-ce que tu attendais pour nous le dire? Non! C'est le moment qu'ils ont trouvé utile de le dire. Vous comprenez? Nous devons revoir certaines choses. Un député n'est pas le député du président de la République. Un député n'est pas le député de l'Union sacrée. Un député, c'est un représentant du peuple. C'est un député du peuple, c'est un envoyé du peuple. Mais quand vous-même, vous avez 21 000 dollars, par an, vous avez combien? 230 quelque chose de 1 000 dollars par an. Même le président français n'est pas payé comme ça par an. Et mais là, nous sommes en train de préparer les élections avec celui qui a 240 000 dollars le mois, l'année, qui va faire le challenge avec les pauvres. Ils sont sérieux. De deux, ils vous diront qu'ils n'ont pas d'argent pour aider le peuple pauvre, les électeurs qui les ont élus. Ils n'ont pas d'argent. Parce qu'on attend que 2023 pour acheter de pagne, acheter de t-shirts. Et leur argent maintenant, c'est aller en Turquie
pour aller fabriquer des polos et amener dans des conteneurs et distribuer à ce peuple pauvre citoyen qui sont en train de crépir. Moi, je pense qu'il y a une certaine éducation que nous devons donner à nos élus. Ils auraient dû refuser cet argent-là. Ils auraient dû refuser. Un professeur d'université est payé combien par mois? Un enseignant. Aujourd'hui, on vante, s'il vous plaît. Nous, nous sommes au pouvoir, nous vantons. Qu'on a fait quitter un policier de 80 000 à 250 000 francs congolais, qui ne représente que 120 dollars. Allez au marché, vous allez régresser. Sa femme doit avoir un pagne à porter, sa femme doit avoir le soin de santé approprié, sa femme doit accoucher. Ses enfants doivent étudier dans une école que l'État ne prend pas en charge. Il a 120 dollars le mois. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la gratuité. En réalité, la gratuité n'est pas le paiement du social de ces élèves-là. Ces élèves-là doivent acheter des sacs et des cahiers. Vous comprenez? La gratuité n'est qu'un cheminement, un soutien partiel par rapport à la charge scolaire. C'est un soutien partiel. Parce qu'aujourd'hui, demain, pour que les enfants rentrent à l'école, les parents doivent acheter des tenues, des cahiers, des bics, des fournitures. Un policier qui a 4 enfants à faire étudier. Un sac scolaire revient à 15 dollars. Son salaire mensuel va prendre combien de sacs et combien de cahiers? Combien de chaussures pour les enfants? Non, humainement, là, soyons sérieux. On ne peut pas vanter ce qui n'est pas encore arrivé à la hauteur de soulager l'homme. Non, on vante quand l'homme est soulagé. Dieu ne peut pas dire non, je vous ai donné la vie à moitié. Non, je vous ai donné la vie. Et croyez en moi pour que vous ayez la vie. Ce n'est pas croyez en moi pour avoir la moitié de la vie. Non, là, il ne serait plus Dieu. Et déjà, les enfants vont devoir reprendre le chemin de l'école. Bon, la gratuité de l'enseignement de base, oui, c'est bien bon. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'infrastructure. Même si le ministre de l'EPST nous a parlé des infrastructures, tout ça, mais non. Sur le terrain, jusqu'à présent, c'est des mondes. Non, c'est un sujet. Quelles sont les écoles? C'est un sujet complexe. Ça fait 3 ans, ou c'est la 4e année que le président Félix est au pouvoir. Moi, j'ai toujours demandé à mes amis de l'IDPS de bien parler du chef. Qu'il parle vraiment bien du chef. Il n'est pas bon de mentir au nom du président de la République. Il n'est pas bon de mentir. Il est le père de la nation. Il y a ceux qui aiment le président de la République qui ne sont pas de son parti. Mais il l'aime. Moi, je l'aime, mais je ne suis pas de son parti. Mais pourquoi mentir à son nom? 350 écoles construites. Où? Où? Moi, j'étais à Mbujimayi. J'étais à Mweneditu. J'étais à Kabinda. J'étais au Sankuru. Le Grand Kassai, au moins Kanangachika, parce que je n'ai pas piétiné. Où est-ce que j'ai vu ces écoles? J'étais à Miabi. J'étais à Kabiakamwanga. Où? Parce qu'on a construit ces écoles. À l'Est? À l'Est, ce sont des écoles construites par BAD. C'est BAD. Il y a des organismes qui ont signé des contrats. C'est comme aujourd'hui, vous allez trouver chez nous, au Sankuru, il y a quelques écoles construites par le PNUD, et on va dire, ou par la Banque mondiale, on va dire non, ce sont des écoles qu'on doit enrôler pour mettre dans la liste des écoles du gouvernement. Non. Non, sérieux. Aidons le chef à dire certaines choses vraies. Là où vous avez été ministre et que vous avez échoué, vous quitterez, l'autre va venir faire. Okay. Vous comprenez? Il n'est pas, il n'y a personne qui est né être éternellement ministre pour qu'à ton mandat ou à ton temps que tu puisses réussir à 100%. Acceptons qu'on a échoué une partie et que l'autre qui viendra va continuer. Alors, maître Armand... Le président, certes, il a de très bonnes intentions, mais tantôt, je crains que le président manque 3 personnes qui peuvent l'aider, comme Kabila en a manqué 15. Je crains. Voilà, alors, maître Armand, avant-dernier sujet, parle aujourd'hui de Jean-Marc Kabound. Il a eu à dénoncer tout ce qu'il a eu à dénoncer, que ce gouvernement, c'est un gouvernement de juisseurs, patati patata. Alors, il a été mappé, ensuite résigné en surveillance, surveillé. Jusqu'à présent, il est toujours
à la prison de Makala, quand vous maîtrisez bien la chose. Moi, j'aimerais un peu savoir, est-ce que la justice a été dite, bon, le droit a été dit? Madame, je commence d'abord à parler de Jean-Marc Kaboun. Moi, j'étais le premier à décrier, à dénoncer, le premier jusseur, c'est lui. Le premier jusseur, c'est Jean-Marc Kaboun. Il a donné un don, je ne sais pas, de 300 000 dollars d'une école. J'ai posé la question dans une chaîne de télévision ici. Il reçoit le salaire de combien pour que dans une année, qu'on me puisse Premier ministre, un vice-président, Non, de premier vice-président de l'Assemblée l'Assemblée nationale, nationale. il trouve un don de 300 000. Quand quelqu'un donne déjà un don de 300 000, il doit avoir 3 millions de dollars dans son compte ou 1 500 000. Où est-ce qu'il a trouvé cet argent? Dans l'UDPS, on le payait combien pour qu'il ait une maison comme celle qu'il habite aujourd'hui? À l'UDPS, comme président Haï, il était payé combien? C'est le premier jusseur. Tous ses propos peuvent sortir de nous, mais pas de lui. Il est à défaut de dire que c'est la République des jusseurs. Sinon, c'est la première personne que les Congolais prendraient de pierre pour lapider. On devrait le lapider. On devrait le lapider. Il mérite d'être lapidé dans un pays normal comme dans la loi égyptienne, dans la loi israélienne qui était en Israël. Il est dans l'opprobre. On le prend, on le met dehors de la ville et on le lapide. Parce que si aujourd'hui, lui quitte son équipe pour nous dire que voilà, je viens d'une équipe de jusseurs, il a remis combien dans la caisse de l'État? C'est ce qu'il a pris frauduleusement et indûment. Certes, donc, ces propos-là sont inopérants. Moi, je pense, j'ai demandé au président de la République, et malheureusement, peut-être que ce n'est pas arrivé, que ces messieurs-là ne soient même pas mis en justice. Il faut le considérer comme un monsieur de la rue. Ça serait une très bonne chose pour discréditer ses propos, puisqu'il est le premier jusseur. Hein? Mais au moins, ses amis qui étaient de l'UDPS n'ont pas compris à l'époque quand nous parlions que les messieurs n'aidaient pas le chef de l'État. On nous trouvait comme si nous étions contre l'UDPS. C'est comme nous disons aujourd'hui. L'UDPS n'existe pas. Il faut qu'on aide l'UDPS à exister. Ils vont encore demain chasser M. Kabouya. Ils vont encore demain chasser Kabouya. Puisque Kabouya, à son tour, lui, quand il se sentira asphyxié, il va aussi sortir pour faire des propos. Alors, ça sera maintenant que quoi? Des propos sur propos. Non, le problème, c'est d'organiser la structure. Tous ceux qui ont été éduqués par Étienne Tshisekedi n'ont pas réellement l'esprit d'Étienne Tshisekedi. Il ne faut pas qu'ils en fassent confiance. Aujourd'hui, la justice est. Mais Jean-Marc Kaboun, au regard des infractions qu'ils ont retenues à sa charge, je n'entre pas dans ce débat parce que je ne suis pas son avocat, mais néanmoins, il y a eu vice de forme dans sa détention. Puisque j'ai vu l'ordonnance de la Cour de cassation qui l'a signé en résidence surveillée et le laisse au CPRK. L'assignation à résidence surveillée n'est pas le CPRK. L'assignation à résidence surveillée, c'est mettre la personne dans le lieu où il imprime son centre d'intérêt, soit dans son bureau, soit dans sa résidence, soit dans l'hôtel. Et là, il peut vaquer, il peut sillonner, il peut circuler. Voilà pourquoi je dis que il y a eu vice de forme dans sa détention préventive. Il faut dire le droit, parce que le droit, c'est une exigence moderne. Hein, la justice plutôt, c'est une exigence moderne pour tous les États au monde. Quand ça ne Alors, marche pas, ça ne marche pas. Donc pour voilà. ce cas-là, je dis déjà d'avance que la justice n'a pas marché, comme je le dis dans le cas de Vital Kamerhe. Voilà, alors Maître Armand, la toute dernière question, juste 2 minutes. La CENI nous a informé qu'elle a été financée à hauteur de plus de 238 millions de dollars américains. Et de votre côté, courant pour les saluts du peuple, comment vous vous organisez pour les élections de 2023? Les élections, madame, techniquement, ont du mal à avoir lieu dans 392 jours. Techniquement, vu l'étendue de la République démocratique du Congo, le financement, certes, il en a. Il a reçu, il déclare ça, c'est bon. Mais techniquement, il demande à Nanga combien de temps prend-il pour déployer le matériel dans tout le Congo, pour actualiser le fichier électoral. Ça va prendre combien de temps? Il y a des endroits où les véhicules n'entrent pas. Il faut pousser les histoires avec des vélos et autrefois même des pirogues. Ils ont pris la MONUSCO dans certains endroits pour faire arriver le kit. Il va le faire dans une année et réussir à appeler le corps électoral au mois de septembre 2023, humainement parlant. Donc, techniquement, j'émets encore de réserve. J'émets de réserve qu'il y ait élection en 2023. Et deuxièmement, le problème de sécurité.
problème de sécurité doit être résolu. Doit être résolu. Est-ce que le courant pour le salut du peuple est déjà prêt pour... Le courant n'est pas un parti politique. Le courant prépare des ambitieux politiques qui sont dans les partis politiques. Mm-hmm. Le courant prépare des ambitieux politiques qui vous sont vous dans les partis préparez déjà? politiques. Oui, en fait, nous sommes candidats. Moi-même, je suis candidat. Si c'est la présidence, je le sais, puisque je me prépare d'être candidat aussi. Si c'est la présidence, c'est que moi, je vais appeler tous les orphelins de me voter. Parce que j'ai trouvé que le candidat des orphelins serait moi le meilleur. Serait moi le meilleur comme candidat président de la République. Et tous les orphelins seront appelés à me voter. Commençons par le président de la République lui-même actuel. Il est orphelin. Monsieur Kabila, qui est parti le président honoraire, il est orphelin. Donc, nous sommes tous dans le club des orphelins où je veux présenter ma candidature pour que tous les orphelins me soutiennent. Voilà, merci Maître Armand. Merci Madame. Voilà, donc vous avez compris que c'est la fin de ce magazine d'entretien. Bien sûr, il y avait des sujets que nous n'avons pas pu exploiter, faute de temps. Alors, je pense que ce n'est pas la dernière, hein. Il est toujours le bienvenu chez nous. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, procès, soit la position de Jean-Marc Kabound, ainsi que la controversée autour des émoluments des députés nationaux avec notre invité, Maître Armand Lokika, qui est coordonnateur national du courant pour les saluts du peuple, à qui j'ai dit merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Voilà, et à vous qui nous avez suivis, je vous dis également merci. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.